Les Morenos sont-ils sur le point de perdre leur fortune dans Demain nous appartient? C'est en tout cas ce que suggère un extrait inédit dévoilé par TF1. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Déterminé à récupérer sa fortune, Victor Brunet, Farouk Bermouga, renoue avec ses vieilles habitudes et est prêt à tout dans Demain nous appartient. Sa cible, les Morenos qui sont devenus multimillionnaires depuis qu'ils ont gagné le jackpot au casino. Pour parvenir à ses fins, l'ancien homme d'affaires tente donc d'escroquer Christelle, Ariane Séguillon, avec l'aide d'un ami galeriste en tentant de lui vendre une reproduction d'une œuvre d'art cotée sur le marché. Si l'assistante sociale est prête à débourser 160 000 euros pour l'acquérir, ce n'est pas le cas de Sylvain, Arnaud Henriette, qui préfère utiliser cette somme pour investir dans un petit pied à terre à Paris pour leurs enfants. Bien que les plans de Victor se compliquent, une occasion en or va toutefois s'offrir à lui. Dans l'épisode diffusé ce soir sur TF1 Né d'or et déjà disponible sur Salto, Christelle va se laisser aller à quelques confidences et lâcher une bombe à Victor qui pourrait bien arranger ses petites affaires. Légèrement éméchée après avoir bu une bouteille de vin en sa compagnie, Christelle va alors lui révéler qu'ils sont devenus riches grâce à un lingot d'or volé lors de la prise d'otage du Spleen. Bien évidemment, il ne faudra pas bien longtemps à Brunet pour se servir de cette information à son avantage. Dans un extrait inédit disponible sur la plateforme MYTF1, tout se passe pour le mieux chez les Morenos qui mènent la belle vie. De son côté, Sylvain a bien remarqué que Victor rôde beaucoup autour de sa femme actuellement. S'étant toujours montré méfiant à son égard, Sylvain se demande s'il ne draguerait pas Christelle. Bien que celle-ci soit certaine du contraire, il ne peut s'empêcher de penser que le père de Timothée était particulièrement étrange ces derniers temps. Qui sait, c'est Brunet. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, rétorque Christelle pour le rassurer. Au moment où sa femme part se préparer pour le dîner, Sylvain reçoit un message des plus troublants, c'est pas joli joli de voler Moreno. Tu dors bien sur tes deux oreilles, ou devrais-je dire, sur ton lingot. De là à imaginer que Victor se cache derrière ce message, il n'y a qu'un pas. Les Morenos sont-ils sur le point de tout perdre? À notre micro, Arnaud Henriette, l'interprète de Sylvain, avait quelque peu sous-entendu la réapparition de l'histoire du lingot d'or dans la suite des intrigues du feuilleton quotidien. Vous savez, quand on fait quelque chose de pas bien, ça revient toujours. On le paye un jour pire, nous avait-il alors confié. Voilà qui n'annonce rien de bon pour Sylvain et Christelle dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Mais si Victor a trouvé de quoi faire plier les Morenos, ces derniers pourraient finalement tirer profit de la situation d'après les synopsis officiels dévoilés par TF1. Cependant, toujours selon les synopsis, les Morenos vont prendre lentement goût à leur nouvelle vie et Victor reprendre possession de sa maison. Victor et les Morenos auraient-ils trouvé un terrain d'entente? Victor a-t-il réellement repris possession de sa villa ou vont-ils devoir cohabiter? Toutes les possibilités sont permises et la suite de Demain nous appartient devrait rapidement nous apporter des éléments de réponse.